Salut les amis, vous allez bien? Moi ça va impeccable. Voilà, installé, ça y est. Il est 8h15, très exactement. Une pêche de matinée, ça fait du bien, ça va changer un petit peu. Ces derniers temps, c'était plus des pêches de nuit. Donc j'en avais un petit peu marre, j'avais envie de faire plutôt une pêche de journée. Je trouve que tu profites plus de journée que de nuit. Moins fatigant, moins de logistique. Voilà. Donc vous reconnaissez peut-être le mur là. On a déjà fait des vidéos ici. Ça fait un petit moment que je suis pas venu, je sais pas ce que ça va donner. Et voilà, j'ai amorcé avec les billes qu'on a faites dans une des dernières vidéos là. Ça bouge devant là. Aïe curry là. Vous pouvez retourner voir dans la playlist, dans les vidéos d'il y a, je sais plus, une semaine, 15 jours là. Donc j'avais fait 1,5 kg de mix, ça me donnait un truc comme 1,850 kg je crois de mémoire fini, avec les œufs et tout. Donc j'avais fait 3 sachets entre 6 et 700 grammes. Je suis venu un matin, je suis venu, enfin avant-hier matin, je suis venu hier matin, mettre un sachet à chaque fois, éparpillé sur une vingtaine de mètres devant moi. Et puis je pêche à 2 cannes dessus ce matin. Jusqu'à un peu après manger. Bon, il est 9h05. Pas de touche pour le moment. J'ai eu quelques bips. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais rajouter une troisième canne. J'avais prévu en fait de la bille pigeon et tout ça. Donc j'en ai mis une plus loin là-bas. Je vais vous montrer ça. Et avant, je vous mets une petite séquence. On voit pas le poisson malheureusement parce que en fait, j'étais en train de couper ma séquence comme je filme en permanence sur les cannes là, les deux là. J'ai coupé ma séquence au bout de 15 minutes à peu près, je fais ça sans arrêt, je coupe, je relance, comme ça je supprime si c'est rien passé. Ça me fait pas des vidéos à rallonge à traiter après derrière. Et juste au moment où je fais ça, un gros remous en surface, du coup je regardais l'écran donc j'ai pas vu ce que c'était. Et sinon, bah ça aurait pu être en direct devant la caméra. Et je pense que ces carpes, à mon avis, c'était plutôt une sorte de marsouinage ou truc comme ça. Donc c'est plutôt positif, ça bouge, j'ai eu des bip bip, donc j'ai bon espoir. Allez, je vais vous montrer ma troisième canne.
Bon, bah j'ai pas eu le temps d'aller vous montrer la troisième canne. J'ai éteint la caméra pour y aller. Oh, ça a déroulé à bloc derrière. Je pense que vous avez la séquence normalement ou pour remous encore là. Il y a du poisson dans le coin. Donc une commune que je ne peux pas peser. J'ai toujours pas de peson. Enfin, j'ai racheté un peson, mais c'est de la merde. Donc, faut que je revoie ça. De toute façon, c'est pas grave, c'est pas un monstre. Petite commune. Voilà. Elle est toute tendue. Petite commune typique des rivières. Voilà. Avec une bouillette à écurie toute seule. Sur un montage en 13 gainés. Non dégainés. Avec deux petits plombs dessus. Voilà, voilà. En espérant en faire d'autres. Je vais la remettre à l'eau parce qu'elle est tendue du string. Tendue, tendue du string. Elle est stressée. Allez, à table. Donc voici la troisième canne. Je suis à peu près 40 mètres à gauche de mon poste. Et ici, pareil, j'ai pas cherché loin, juste devant là. Et je lui ai mis une dizaine de bouillettes, pigeons, deux ou trois bonnes poignées de maïs doux, une bonne dizaine de bouillettes cassées en deux. Et j'ai éché d'une bouillette pigeon avec un faux maïs, ça est raccord avec le reste, et j'ai mis une grosse chaussette que j'ai trempée dans mon sweetener eau de vie, etc, etc, Inch'Allah. En temps normal, j'ai pas besoin de faire ça. Mais là, il est quasiment 11h, j'ai fait qu'un poisson. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Mais je suis convaincu qu'il y a mieux à faire. Peut-être que, justement, avec ces pressions atmosphériques super hautes, là, c'est venu soudainement en plus. Peut-être que ça leur a cloué le bec un peu, j'en sais rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un stick. Ça sent bon l'ail. Je vais faire un stick de bouillettes broyées à la crecha, hop, et je vais le tremper dans mon sweetener maison. Je vais essayer ça sur une des cannes devant là. L'autre qui est toute seule là-bas, elle est déjà comme ça. Elle a bipé pas mal. Je pense que c'est les blancs qui tapent dessus, hein, parce que sinon j'aurais fait un départ. Enfin, j'ose espérer. Donc, je vais essayer ici. Et on va voir ce que ça va faire. Allez, je vais relever la canne pour lui accrocher ça et tremper ça dedans. Bon, j'étais accroché au fond. J'ai perdu que mon plomb, c'est déjà trop. La tétine a pété, j'étais bien accroché, j'ai tiré en bout. Apparemment, c'est le plomb qui devait être coincé entre des cailloux. Donc on va faire un bad limb du coup, parce que à bien y regarder, il avait morflé lui aussi. Hop, entouré autour comme ça. Je vais en profiter pour mettre un plomb. Jean-Louis, tu les reconnaîtras, tes petits plombs. Merci Jean-Louis. On t'entend plus là depuis un peu, t'as dû reprendre le boulot aussi. Un tel caféignan au boulot, comme on dit, une tétier. Donc voilà, et ensuite, comme je vous disais, hop, je prends mon petit sweetener. Piouf. Voilà, ça impide bien. C'est pour ça que je broie d'ailleurs, pour que ça rentre bien dans les particules. Le filet, bah lui, il absorbe. Hop. Alors, il y a de l'eau dans le sweetener, mais ça, voilà, avec tout l'alcool, je pense que ça fond pas le truc, quoi. Bon, ça n'a rien d'attendre non plus trop longtemps. Allez, je vais lancer ça.
petite séquence de fin dans le camion parce que là, j'en pouvais plus. Il fait chaud, il a fait chaud à 9h. Il a fait froid de 9h à 11h, 11h30. Et il a fait super chaud de 11h30 à 13h qu'il est là. Donc, il y avait une phase lunaire aussi, j'ai oublié de vous dire. Puis, comme j'avais le temps, j'ai regardé Fishing Calendar. C'est un truc que j'avais téléchargé il y a quelques temps déjà, que je ne regarde plus. Et qui indiquait 100% d'efficacité de pêche. Donc, comme quoi, on peut pas forcément le croire, lui, hein. Bon, bah voilà, un poisson. Alors, c'est toujours ça de prix, hein, mais j'aurais espéré mieux. Cet endroit m'a apporté bien plus par le passé. Mais c'est comme ça, c'est déjà ça. Et j'ai pu choper le départ en live et tout, donc c'est cool. Bah, je vous dis sûrement mercredi prochain, hein? Et en attendant, bonne pêche!